terme de cette convention, il est attendu donc de la West Africa LNG Group la livraison d'un réseau d'approvisionnement et de distribution du gaz naturel liquéfié en République de Guinée, soit un dispositif qui est appelé à booster nos capacités productives, notamment dans le domaine que je viens d'expliquer, le domaine minier et agro-industriel. Il est important de noter que l'un des facteurs d'attractivité du gaz naturel liquéfié est son manque d'impact négatif. Oui, c'est ça que la littérature nous dit. Je dirais tout simplement son faible impact négatif, parce qu'il y en a un impact négatif. Du point de vue environnement et son caractère abordable sur le plan du coût de production. Mesdames et messieurs, honorables conseillers nationaux, distingués invités, nous saluons le travail des commissions qui ont planché sur cette convention. La commission des affaires économiques et du développement durable. La commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire. Et toutes les autres commissions permanentes du CNT qui ont participé à ce travail. Une loi, une convention qui a le record de durée au Parlement. Aujourd'hui, c'est le 25 avril, nous avons été saisis le 23 avril 2023. Environ une année. Nous saluons le travail des honorables conseillers nationaux qui ne faisaient pas partie de ces deux commissions, mais qui ont apporté leur expertise, leur expérience et surtout leur passion lors du débat à l'intercommission. Les cadres du ministère de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures, du ministère du budget, de l'économie et des finances, de la coopération internationale. Mais singulièrement, monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Guinées établies à l'étranger, il n'est pas venu ici aujourd'hui, mais je sais et je suis sûr et certain que son cœur est en train de battre à un rythme accéléré, parce que cette convention, il en a fait un enjeu géopolitique et stratégique. Je vous donne raison. Mais géopolitique et stratégique, nous devons préserver l'avenir de nos enfants, parce que c'est un projet qui a un projet centenaire, comme on le dit le plus souvent. Il faut que les générations d'aujourd'hui et de demain puissent profiter de cette convention. C'est pourquoi nous l'avons fait passer au microscope électronique, pour que tous les aspects sociaux, politiques, économiques, environnementaux et sécuritaires soient passés au peigne fin, pour que notre décision ne soit pas ou ne fasse pas l'objet de redit ou de redite après le passage du Conseil national de la transition. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier nos partenaires, notamment de l'ambassade des États-Unis, de l'ambassadeur en passant par son adjointe et le conseiller politique et les promoteurs de ce projet qui ont gardé patience et espoir, qui se sont montrés comme des bons sportifs. Ils prennent des coups, ils esquivent certains coups, ils en donnent d'autres. Finalement, nous sommes en plénière, comme la phase finale de l'examen de cet accord. Je les remercie pour l'envie et la volonté d'apporter une touche au développement de notre pays. Donc, je dis bien, sous réserve de la prise en compte dans le rapport d'examen, des contributions qui ont été apportées par les conseillers nationaux. Quels sont les conseillers nationaux qui sont pour B, lever la main. Baissez, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui sont contre? Abstention. La loi portant autorisation de ratification de la convention d'établissement relative au développement du projet de gaz naturel liquéfié
et d'unités de production d'énergie électrique d'une capacité globale de 1800 MW, conclu entre la République de Guinée, la West Africa Group LNG et Helios Energy Infrastructure SCS, est adopté par la majorité des conseils nationaux.